Salut et bienvenue sur la chaîne du Céréale Gamer pour le crash test de cette Sega Pico récupérée en brocante dimanche 10 avril 2022 dans une brocante à Paris dans le 5e. Alors là, c'était incroyable de trouver ça dans une brocante à Paris hein. Et surtout au prix de 40 € avec 4 jeux. Donc ce qui m'a fait 10 € la console, 10 € les 4 jeux. Ça m'a fait 10 € l'unité quoi, chaque objet. Alors c'est parti, on va commencer par présenter la bête. Donc c'est une console qui est sortie par chez nous en 94, qui a malheureusement bidé, puisque ça s'est arrêté en 98, donc elle a tenu à peu près, on va dire, 4 ans. Au Japon, elle a quand même continué jusqu'en 2005, donc à peu près ça devait être 93 et ça s'est arrêté en 2005. Et en fait c'est des petits livrets comme ceci, vous voyez, hop. Bon là j'ai ramené qu'une seule cartouche, après je peux prendre les autres, mais bon on va tester déjà cette cartouche là. Et si ça vous plaît, ben, je testerai les trois autres. Donc il y avait Pocahontas, Eco Junior et un Mickey. Voyage dans le temps. Donc c'est un petit livret de plusieurs pages. Vous voyez, hop, là on a une page entière, deux pages entières, trois pages, hop, quatre pages. Et après la page finale où on doit faire sans doute des dessins. Parce que je vois qu'il y a des crayons, il y a des tailles de crayons, là il y a des couleurs. Donc je suppose que ça doit être un... faire des dessins, à voir. Donc c'est une cartouche similaire un peu à celle des Mega Drive, hein. Sauf qu'il me semble que c'est quand même, ouais non, c'est pas du tout les mêmes hein, au niveau des picots intérieurs. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Là, je vais prendre une cartouche de Mega Drive à côté de moi. Hop, j'ai tout prévu. Vous voyez, c'est comme ça. C'est des petits, c'est pas du tout, on voit pas bien, mais bon. Vous voyez le concept. Et pareil pour la Master System, c'est la même chose que la Mega Drive. Vous voyez, c'est des petits picots comme ça. Donc c'est un petit peu différent, quand même. Donc à l'arrière, c'est comme ceci. Il y a marqué, attention, celui-ci doit être manipulé avec soin en respectant les instructions suivantes. Ne pas exposer à des températures extrêmes. Allez, je fais la mise au point parce que là, sinon vous verrez rien. Donc attention, celui-ci doit être manipulé avec soin en respectant les instructions suivantes. Ne pas exposer à des températures extrêmes, ne pas immerger et ne pas ouvrir ni percer. Donc là on a un code, j'imagine que ça doit être le code de la cartouche, donc 670-6630-09. Donc voilà, c'est comme ça que ça se compose. Du coup, on va voir comment ça se passe. Donc déjà, au niveau d'alimentation et Peritel, c'est ici que ça se passe. Hop, voyez, ici, on a une entrée pour l'alimentation et une entrée pour la Peritel. Alors je pense que ça doit être les mêmes que la Mega Drive, j'ai pas testé, mais bon... Au préalable, j'ai déjà branché le câble Peritel de la Mega Drive 2 et le câble d'alimentation de la Mega Drive 2. Ah, c'est celle-là. Celle de la Mega Drive 2, c'est celle-ci. Vous voyez comment elle se comporte. On a le logo Sega, donc c'est bien un produit officiel. Au moment où vous voyez un logo Sega, c'est que c'est généralement un produit officiel de chez eux. Donc, je vais brancher l'alimentation et je vais la mettre dans la console en espérant que ça soit bien le bon. Donc, hop. Bon, ça va faire un peu d'ombre, hop, et voilà, bon bah c'est bon déjà, ça rentre. Donc, pour l'instant, l'alimentation de la Sega Mega Drive 2 convient à une Sega Pico. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, maintenant vous le saurez. Maintenant on va tester, voir la Peritel de la Mega Drive 2, est-ce qu'elle va rentrer? Ça a l'air de ressembler. Est-ce que ça va rentrer? Ça va être le grand mystère. Hop, je tire un peu parce que, hop, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ah, attendez, ça se met comme ça. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, effectivement, la prise Peritel de la Mega Drive 2 et l'alimentation de la Mega Drive 2 devraient faire l'affaire. Donc maintenant, est-ce qu'elle va fonctionner? Ça va être parti pour le test. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Donc déjà, bah, on va commencer par ouvrir la console. Alors là, on a un petit bouton, il faut appuyer dessus comme ceci. Et ça permet, vous voyez, d'ouvrir ici, et vous voyez, une petite dent qui sort quand j'appuie, hop. Quand j'appuie dessus, elle rentre. Quand j'appuie pas dessus, elle ressort. Donc voilà comment ça se compose. On a, hop, je vais montrer ça. On a un pavé tactile, quand même assez moderne, hein, c'est moderne pour l'époque. Le petit stylet, hein, comme on l'avait sur les téléphones portables il y a un certain temps, avec un petit bouton, vous voyez. Je ne sais pas si on entendra bien, mais on entend un petit clips quand on appuie dessus. Et du coup, bah, ça c'est le pavé tactile pour pouvoir jouer. Et nous avons 2, 4, 5 boutons. Donc un gros bouton et quatre petits boutons de plusieurs couleurs. Donc on a, ça fait penser un peu à des M&M's, je trouve. Il y a un petit côté M&M's. On a un bouton orange, vert, violet, blanc et rouge. Alors c'est vraiment une console faite pour les enfants. Donc du coup ici nous avons, comme vous voyez, un port cartouche similaire un peu à la Mega Drive et Mega Drive 2. Mais bon, hein, si on regarde bien les pins, vous voyez les pins des précédentes générations de Mega Drive et Master System, on voit que c'est pas du tout les mêmes tailles. Hein. Donc faut pas espérer de mettre un jeu Mega Drive 2 dedans. Donc c'est parti, hop, je fais un petit truc, voilà. Donc on va insérer le petit livret cartouche, hein, on va appeler ça comme ça, moi je vais appeler ça comme ça. Donc on l'insère, hop, comme une cartouche de Mega Drive, et on appuie dessus, hop. Et j'ai oublié de préciser qu'il y a des capteurs, mais je vous montrerai après. Donc on va procéder à l'allumage en espérant qu'elle fonctionne. J'espère que l'alimentation va pas griller la console. On va tester ça. Parce qu'à mon avis, à l'intérieur, ça doit être en quelque sorte une carte mère de Mega Drive 2 modifiée. Je suis quasi sûr que ça va être ça. Un de ces jours, peut-être que je ferai un démontage de cette console. Parce que ça n'a jamais été encore fait. Donc c'est parti. Alors ici, vous avez le bouton, ici, rouge là. Il y a le bouton on-off, hein, qu'on voit, on-off. Donc là, elle est sur off. Et du coup, je vais procéder à l'image. Alors attention, on va voir si ça fonctionne. 3, 2, 1... Ah, ça fonctionne. On a un petit grésillement, mais je pense que c'est dû à l'alimentation, vous voyez, qui est trop près de la Peritel, donc ça fait un petit grésillement. Donc alors comment ça marche? On va essayer de faire un petit truc comme ça sympathique, que vous puissiez voir la console. Hop, ça se casse pas la gueule non plus. Voilà, ça devrait être comme ça devrait être pas mal. Donc du coup là, on appuie sur le bouton, j'imagine. On appuie sur le bouton. Ah ok, c'est une démo. Ok, on a une démo. Le son est bon. Bon, ça grésille un peu là à l'arrière, mais je pense que c'est dû à sa vieillesse. Hein. Il y a peut-être des soudures qui sont pas très bonnes. Donc voilà, on va commencer. Alors on va ouvrir la première page et du coup, normalement, quand je vais ouvrir la page qui est ici, ça devrait ouvrir la page sur l'écran. Vous voyez ? Grâce à des capteurs qui sont situés ici. Je suppose qu'il doit y en avoir 4 ou 5, un truc comme ça, de capteurs. Finalement, voilà, c'est ça. Ça correspond à la page, regardez, hop, je vous fais montrer à peu près. Vous voyez, le décor que vous voyez ici, eh ben, il est restitué sur l'écran que vous voyez ici. L'image, franchement, est superbe. Alors, c'est parti, on va tester. Donc, je ne sais pas du tout comment ça marche. J'imagine que c'est à peu près le même style que dans les portables, hein, quand il y avait les stylés à l'époque. Alors, je peux pas vous faire montrer les deux en même temps, parce que j'ai pas de portable et j'ai pas de voilà, moyen technique de vous faire montrer. Et du coup, je vous ai montré à l'écran. Vous voyez bien, j'ai le stylet dans la main. Donc, je sais pas, est-ce que si j'appuie... Ah oui, il y a le petit papillon là. On voit un petit papillon ici, là, vous voyez. Là, ici, il y a un petit papillon qui bouge quand je mets le stylet, regardez. Hop. Vous voyez. Et j'effleure à peine, et franchement, le pavé tactile est vraiment... Je suis assez surpris parce que je le survole là, je le touche même pas le pavé tactile. Hein. Je suis à quoi? Je suis à 2 cm là, et le papillon il bouge. Hein. Il capte super bien les mouvements. C'est assez, ouais, c'est assez rapide. Là on va aller sur Porcinet. Ah, est-ce que si j'appuie sur Porcinet, est-ce que ça fait quelque chose? Ah ouais, ça fait quelque chose. Alors là on a Porcinet qui est là-haut, là, hop, en train de remplir un seau d'eau ou un... Ah oui d'accord. Ah oui, je dois arroser les plantes, ok. Alors, comment ça se passe? Je vais peut-être appuyer. Ah oui, d'accord. Quand j'appuie, ça fait... D'accord. En fait, ça arrose. Et qu'est-ce que c'est censé faire? Alors, l'abeille, elle butine, c'est ça ou pas? Non, elle butine pas. Je peux rien faire apparaître de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je suis curieux de savoir ce que c'est. Ah, je crois avoir compris. Attendez, est-ce que c'est ce que je pense? Ah, parce que là, je peux rien mettre. Alors, je découvre totalement avec vous. Alors, je sais pas ce que c'est. Il y a des endroits où je ne peux pas arroser, vous voyez, il y a des endroits où je ne peux pas... hop, Non, je peux pas arroser. Si je viens en haut... Ah, si, ça pousse, là. Ah, ça pousse, mais très lentement. Ah, d'accord, je crois savoir. Est-ce que ça formerait pas quelque chose, une image avec... Parce que là, je peux pas arroser, là. Là, je peux arroser ou pas? Ouais, là, je peux, mais là, il n'y a rien qui pousse, là. D'accord, je crois avoir compris. Je pense que c'est ce que je pense. Ah, j'ai plus d'eau. Ouais, j'ai plus d'eau, donc j'imagine que je dois aller là-bas. Hop. Ouais, ça. Ouais, je pense que c'est la forme de quelque chose. Mais alors, de quoi? Quelle forme ça pourrait être? Ah, je suis curieux. On a l'air de faire pousser des... Je sais pas ce que c'est. On dirait des... Des roses. Je dirais des roses. Ah, ça serait pas un ballon? Un ballon qu'on gonfle. On dirait la forme d'un ballon. Ah, attendez, est-ce que je peux... Non, je vois pas du tout. Alors là, je vois pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est une forme. Il me semble que c'est une forme parce qu'il y a des endroits où je peux pas arroser. Vous voyez, il n'y a rien qui pousse. Et l'abeille, elle butine pas, donc... Par contre, quand je touche les pavés tactiles, c'est pas vraiment agréable. Hein. C'est assez rêche. Hein. C'est pas agréable au toucher. Ah, là, il y a des fleurs, là. C'est des fleurs. Est-ce que ça serait pas la forme de quelque chose, non? Alors là, pour l'instant, je vois pas. Si vous vous trouvez, allez-y. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent mieux. Ah, j'ai plus d'eau. Hop. Donc là, je vois pas ce que c'est. Il me semble que ça a l'air de ressembler à une forme de quelque chose. Parce que je peux pas arroser, apparemment, je peux pas arroser. Attendez, si je fais ça. Je peux pas arroser, non? Il n'y a rien qui... Enfin, je peux arroser, mais il n'y a rien qui pousse. Comme ça, on va découvrir ce que c'est. On va un peu essayer tous les mini-jeux qu'il y a dedans. Alors, je n'ai jamais eu, je tiens à préciser que je n'ai jamais eu cette console à mon époque. Hein. Je savais même pas que ça existait, donc... Je crois que je l'avais découvert, bah c'est sur YouTube, ça c'est sûr, mais c'est quel youtubeur que j'avais vu, je crois peut-être... Oh, c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être, comment ça s'appelle Astérion. Peut-être Astérion, je sais plus. Je vois pas du tout qu'est-ce que c'est comme forme. Hein. Ouais, c'est un ballon. Ah, je sais pas si j'ai fini. Ah oui, non, il reste encore. Ouais, pour moi, c'est très clairement un ballon. Ouais, ça a l'air d'être un ballon. Hein. Pour moi, c'est un ballon. Ah, est-ce qu'il faut appuyer sur quelque chose ou pas? Ah oui, il fallait appuyer. Oui, ballon. Ah bah oui, c'est marqué là. Ballon. Ah oui, parce que j'avais oublié de... Vous voyez, j'avais oublié cette partie-là. Là. Ok, c'est bien ce que je pensais. Et du coup, est-ce que je peux appuyer sur le livre, par exemple? Est-ce que si j'appuie sur le livre, est-ce que ça va faire quelque chose? Ah ouais, apparemment. Oui, c'est ça, c'est briquet, il me semble. Ah oui, d'accord, on doit lui mettre ça. Ah, bien. Quand on appuie, il est marqué jambes, tête. Là, ça doit être oreille, imagine. Oreille, dos, arrière. Donc, je lui mets la queue ici, derrière. Merci, c'est bien d'avoir placé la queue au bon endroit. C'est un peu bizarre quand on voit ça. Hein. Là, on voit bien. Derrière. Bah, de toute façon, la queue, on peut la mettre que derrière. Hein. Ok, si j'appuie sur un autre bouton. Alors, je sais pas si les autres boutons servent à quelque chose. Ah, on peut changer la position de la queue? Non. Ah, par exemple, si je vais appuyer sur, voilà, Tigrou, est-ce que ça marche? On revient en arrière. Ah, quand on appuie sur Tigrou, en fait, ça fait sauter. Et alors là, j'ai aussi un personnage juste à gauche. Alors, attendez, vous voyez, j'ai d'autres personnages. Là, j'ai, ça s'appelle Winnie l'ourson. S'il appuie, ouais. On a Winnie l'ourson qui vole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chandelier. Ah oui, le chandelier, je vois qu'il y a un emplacement ici, là. Il y a le chandelier qui doit être là. Ok. Ah oui, on doit ranger l'appartement, d'accord. Bon, la chaise. Bon, bah forcément, la chaise, on va la mettre. Là. Tapis. Bon, bah le tapis, hein, on va pas le mettre par la fenêtre. Hein. On va le mettre ici. Après, on a une horloge. Bon, l'horloge, on va la mettre ici. Le papillon, il est fort quand même. Hein. Il est massacre le papillon. En vrai, il porte une horloge. Putain, vache. On a un bol. Le bol, c'est... Hop, c'est ici. La musique, j'ai l'impression de reconnaître la musique d'ailleurs. Le parapluie. Bon, on le met ici. Hein. Si on n'est pas trop bête, normalement, on reconnaît quand même les formes. Hein. Alors, c'est vraiment une console faite pour les petits. Hein. Pour qu'ils puissent reconnaître les formes. Ah, il ne va pas le mettre, le papillon. C'est trop long pour lui. Attendez, c'est quoi? Ah non, c'est une serviette. Oh là là, oh là là. Là, je suis à la masse. Hein. Donc là, c'est une peinture. D'accord, ok, oui. Bah, c'est moi qui suis con. En fait, la peinture, je l'accroche au mur. La deuxième peinture, bah, on va la mettre ici. Et le tabouret, bah forcément, on va le mettre ici. Et voilà. Oh, dis donc, quel effort! Regardez-moi ça. Regardez comment il est fatigué. Faut faire quoi? Faut prendre la balai. Ah, il y a une araignée. Ah, faut que j'essuie les carreaux en plus. Ah, faut nettoyer l'appartement. Ah, ok, d'accord. Je sais pas comment, hop. Ah, ouais, d'accord, il faut jouer avec le stylet, d'accord. Ok. Et je nettoie le dernier carreau. Et voilà. Ouf, c'était très compliqué, hein. Bon, maintenant on va passer le balai pour retirer les toiles d'araignée, je suppose. Je suppose que c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Putain, il y a des sacrées toiles d'araignée, hein. Et voilà. Et maintenant il faut se laver, c'est ça? Bon, franchement, c'est sympa. Hein. Bon, on va passer au jeu suivant. Donc, du coup, on va se retrouver à la page suivante. Hop. Ah, attendez, j'appuie sur le capteur. Là, du coup, on va jouer à un jeu qui s'appelle le jeu de l'ABC. Si vous voyez bien, hop. Ça se passe comme ça, chez McDonald's. Alors, les jeux qui sont sortis sur cette console, c'est principalement des jeux, je trouve, Disney. La plupart, c'est des jeux Disney. Bon, on a quand même un Eco Junior. Donc là, je vois un U, donc je dois récupérer le U. Alors, ça doit être... je sais pas comment on fait. Hop, c'est bon. J'ai récupéré la lettre U. Donc là, c'est le T. T minuscule. Ah, parce que là, ça fait un peu bizarre. Quand on regarde comme ça, on dirait un peu une croix. Bon, c'est le T minuscule, hein. Rassurez-vous. On attend que le T minuscule arrive, il est là-bas. Et on se prépare à le choper. Et hop! Encore une prochaine et après on va passer... Ah, c'est les chiffres. Donc là maintenant on va récupérer le chiffre 3. Et après on passera à la page suivante. Donc on a le 5. Le 3 il est là. Et le 8. Donc on prend le 3. Ouais. Bon, on va passer à la page suivante. Parce que sinon, ça va tourner vite en rond. Allez, page suivante. Bon, c'est celle qu'on avait vue dans la démo, vous voyez. C'est Winnie l'ourson avec des abeilles. C'est agressé par les abeilles. Hop. Donc là, on a Winnie l'ourson. Alors, on doit sans doute le prendre avec le ballon. Et on doit... Ouais, d'accord. Ouh la vache. Oh là là. Ouh la vite. On récupère Winnie l'ourson. Oh là, c'est pire que le périph', là. Bon, ça va. En fait, c'est surtout le ballon qu'il faut éviter qu'il touche. Et hop. Merde. Ah là. Bon, là, il faut le temps qu'il tombe, hein, bien sûr. Attends, vu le poids qu'il pèse, à mon avis, il a dû tomber direct, là. Donc, on va faire un dernier essai. Oula. Ce qui est bien, c'est que les abeilles ne nous piquent pas, hein. Oula. Ouf, juste attends. Et voilà, il peut se gaver de miel, là. Ah, on est dans la ruche. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suppose qu'il faut prendre un chemin. Ça clignote, donc... Ok, on doit ramasser le miel. Ah, je sais pas, je prends comme ça, 7. Ah, on doit arriver à 13, d'accord. Ah, il s'ouvre un papillon. Apparemment, il n'aime pas les papillons. Ah bah, c'est parfait. 10, 11, 12 et 13. Et le premier est rempli. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais, l'an 2000. Bon, en fait, on doit faire correspondre à 14. Donc, on va passer à la page suivante. Donc, là, on passe à la page suivante. Et c'est celle-ci. Il fait de malade, hein. Donc là, ils sont sur une rivière qui est gelée. Du coup, là, il y a un bonhomme de neige. On va essayer d'appuyer dessus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois... Ah oui, d'accord. Regardez. Plus je la roule, hein, plus ça fait une boule. On va essayer de faire la plus grosse boule possible. Si je la mets dans le feu, ça fond du coup. Allez, ça. Donc j'essaye de la faire la plus grosse possible. Ok, donc là on a une boule. On va faire un truc comme ça. On va mettre la carotte. Ah non, ça c'est... Ah, c'est les yeux. On va essayer de faire un truc bien. Là, ça va être son nez. Merde. Voilà. Et son chapeau. Et voilà, on a fait un bonhomme de neige. Bon, il est un peu spécial, mais bon, au moins c'est un bonhomme de neige. Alors, est-ce qu'on peut retourner sur la page? Est-ce que j'y appuie sur... non, c'est pas Porcinet, c'est Tigrou. Non, ça c'est Tigrou. Allez, éviter une boule de neige. Ah, il y a quand même des activités avec Tigrou. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, je suis pas très précis, hein. J'ai pas bien compris. On va passer à l'étape suivante. Alors, on va prendre Porcinet, tiens. Oui, c'est Porcinet, oui, c'est ça. En fait, on peut lui envoyer une bonne boule de neige. Ah bah non, c'est la même chose. À mon avis, c'est un triangle. Ah non, c'est un A. Waouh, c'est pas très précis, hein. Ah, par contre, au niveau de la précision, là, c'est pas ouf, hein. Ça veut dire que je peux les laisser... Attendez, je vais écrire mon nom. Enfin, mon prénom. Ah ouais, c'est pas très précis, hein. Ouais, pour écrire son nom, c'est pas facile, hein. Ça, c'est mon nom avec la tablette, hein. Mon prénom. C'est pas facile, hein. On va passer à la page suivante. Je crois que c'est la dernière, il me semble, hein. Ouais, ça. Et il me semble que c'est un dessin. Vous voyez, hop. Parce que je vois des crayons... Je vois des gommes, je vois des ballons de couleur. Donc ça doit être ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Donc on peut faire un dessin. Donc j'imagine que ça c'est la taille du crayon. On peut dessiner genre, je sais pas, un pot de miel si j'arrive à le dessiner. Hop. Ouais, dis donc. Et est-ce que je peux, par exemple, la couleur du miel c'est ça, avec le seau. Ah oui, c'est ça. Alors, on va essayer d'écrire miel. Ouais, ça. On appuie dessus, ouais, c'est ça, ça change de couleur. Crayon. Les ficelles. Noir. Et ici, est-ce que je vais réussir à écrire? Ah, attendez. Waouh! J'ai écrit en plein milieu. Très bonne idée. J'ai essayé d'écrire miel. Hein. Donc on va essayer de le rendre un peu plus dark. Le... Comment s'appelle Winnie l'ourson? Comment ça marche? Ah comme ça. Ah ouais, là il est quand même beaucoup mieux. Hein. En noir il est mieux. Hein. Ah oui, ouais. Là, on dirait un punk à chien. On va l'humaniser. On va lui faire une petite crête de punk. On va voir si ça marche. Antisocial, tu perds ton sang-froid. On va lui mettre des couleurs, voilà. On va le faire un peu punk. C'est Winnie le punk. On va faire un truc comme ça. Winnie le punk. Et là on va écrire au crayon. Ça on va... Fuck. Fuck the system. Vous imaginez pouvoir faire ça? Alors là, si Disney me voit... Fuck system. Et là, on a le petit... On va essayer aussi de le décorer, lui. Hop. Ouais, ça. Hop. Pareil, lui, on va le mettre en mode punk. Mode antisocial. On met en mode gothique. On dirait plutôt un cadavre. Hein. Et on va lui mettre une crête à lui aussi. Hein. Il n'y a pas de raison que lui aussi n'en ait pas. Regardez-moi ça. Ah, franchement, c'est génial. On lui fait une petite crête. Et voilà. Winnie le Punk et son ami le Punk. Voilà. Franchement, c'est génial ce petit jeu. Hein. Je sais pas quand il y a un tourne-disque ici. Là, attendez, je sais pas si vous voyez là. Il y a un tourne-disque. Est-ce que s'il n'y a plus dessus? On peut mettre des personnages. Ah, franchement, c'est génial. Voilà. Bon, bah, du coup, cette console, ben, fonctionne très bien. C'est parfait. Alors, je voulais essayer de mettre une cartouche de Mega Drive 2 dedans et pour voir, parce que, à mon avis, je suis persuadé qu'à l'intérieur, c'est une carte mère de Mega Drive 2 qui a été modifiée pour Sega Pico. Alors, ici, vous pouvez voir les capteurs. Il y en a 2, 4, il y en a 6. Il y a 6 capteurs qui correspondent à des pages. Donc si je les couvre, normalement, ça devrait, ben, par exemple, là c'est page 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on sait qu'il y a 6 pages en tout. C'est comme ça que la console reconnaît qu'il y a 6 pages. Bon bah du coup, je suis très content parce que cette console fonctionne. Donc maintenant, vous savez que si un jour vous trouvez une Sega Pico, il vous faudra une alimentation officielle de Sega Mega Drive 2 et une prise Peritel de Mega Drive 2. Ça rentre parfaitement dedans. Parce que moi quand je l'ai acheté, malheureusement, il n'avait pas des câbles. Je suppose que le mec, il a dû l'avoir dans un vide maison, ou alors il les a trouvés dans la poubelle, je sais pas. À mon avis, c'est peut-être plus un vide maison. Je suis très content parce qu'elle fonctionne, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Le son, bon, il y a un léger grésillement, mais c'est pas très gênant, honnêtement. Hein. Sur toutes les consoles Mega Drive, quasiment, ont ce même problème. Du coup, merci d'avoir regardé ce crash test sur la Sega Pico. On va l'éteindre, hop. Et du coup, bah vous voyez à quoi elle ressemble. Je l'ai un peu nettoyé, on voit, hein, il y a des petites traces dedans. Hop. Et pour la refermer, vous voyez, ça clipse. Et voilà, vous avez juste à débrancher. Par contre, elle ne fonctionne pas à pile. Hein. Alors, est-ce que après ils ont fait des Sega Pico qui fonctionnent à pile? Là, je ne sais pas. J'ai pas étudié la question. Mais du coup... Maintenant, je sais qu'elle fonctionne. Parce que vous voyez, normalement, on pourrait croire que, quand on voit l'arrière, on pourrait croire qu'il y a un truc pour les piles, mais non. Malheureusement, il n'y a pas pour les piles. Et un de ces quatre, je pense, faire le démontage pour voir comment c'est à l'intérieur. On a télé, hop, ça reste moche. Je ferai peut-être le démontage de cette console pour voir à quoi elle ressemble à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo de la Sega Pico ben, vue de l'intérieur, quoi. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le crash test de cette Sega Pico. Donc très content, je l'ai payé 40 € avec 4 jeux. Donc vous divisez 40 par 4, ce qui me revient à 10 € l'unité, l'objet. Donc 10 € l'objet. Donc 10 € la Sega Pico, 10 € la cartouche qui est à l'intérieur et 10 les 3 autres cartouches. Il me revient 40 €, un très bon prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le commentaire. Donc bientôt on fera l'ouverture intérieure de cette console, on l'ouvrira. Donc il y a à peu près, je suppose qu'il va y avoir 7 ou 8 vis. Donc là on a plusieurs vis, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas si les poignées faut les démonter, je pense pas. Non, je pense pas les poignées. Donc il y a 8 savent démonter, donc on procédera au démontage de cette console pour voir à quoi elle ressemble à l'intérieur, si c'est bien celle d'une Mega Drive, si c'est bien la carte mère d'une Mega Drive 2. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, à partager la vidéo les amis, je vous dis ciao.